Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de la démo de Planet of Lana dans le cadre du Festival Steam, des démos hein, qui a du 6 au 13 février. Un jeu que je vous avais présenté, les loulous, dans le top des jeux indépendants à surveiller pour l'année 2022. Alors, il n'est pas sorti en 2022, il va sortir cette année en 2023 au second trimestre. Pas de prix à vous annoncer, vous pouvez voir à l'écran que le jeu est en anglais, mais pour la sortie du jeu donc au second trimestre, hein, il y aura le français. Donc ça va être plutôt cool. C'est un jeu solo d'aventure, un peu énigme. En fait, on va incarner une jeune fille dans un monde un peu particulier où apparemment il va y avoir des robots, tout ça, mais je sais pas trop pourquoi, je me suis pas trop spoil sur le jeu. Et on va être accompagné d'une petite créature et on va devoir s'entraider pour passer les obstacles. Ça a l'air très sympa, c'est pour ça que je vous l'avais mis dans le top hein, l'année dernière. C'est un jeu qui est développé par Wishfully et qui est édité par Thunderful Publishing. On peut jouer à la manette, c'est ce que je vais faire, c'est d'ailleurs recommandé par les développeurs. Et sur cette version, on ne peut pas rebind les touches, mais bon, il y a quand même Microsoft derrière, parce qu'il faut savoir que c'est une exclue console Xbox. Donc ça ne sortira pas sur Switch ou sur PlayStation, ça sortira aussi sur PC hein, par contre. Et je pense que Microsoft a mis un peu d'argent derrière pour avoir l'exclu, donc je pense qu'il y aura ce genre d'option sans problème. Allez, on fait New Game et on va voir un peu ce que ça donne. Très mignon. Voilà la jeune fille à gauche, la petite bestiole à droite. Voilà, elle s'appelle Lana. Alors c'est un jeu à défilement horizontal. Voilà, on va se déplacer sur un plan fixe. Hein. Graphiquement, j'aime bien l'esthétique. Je le trouve très joli. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Alors appuyez sur A pour sauter. Et je barm. C'est bon ça. On s'est pas écrasé comme une crêpe. Alors, appuyez sur B pour qu'il se stoppe et maintenir B pour qu'il nous suive. Ok. J'imagine qu'il y aura des énigmes où il va falloir le laisser à des endroits pendant que nous on fait autre chose. Ok, il saute comme un grand. Il prend de l'élan, impeccable. Il fait des plus grands sauts que nous, hein. Mais tu vas avancer, oui. Ah d'accord, ok, donc. En plus, on nous dit ce qu'il faut faire, hein, donc c'est pas très compliqué. Et à moi de le faire passer, du coup. Vas-y, suis-nous. Impeccable. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop dur. J'arrive à suivre ce qu'il faut faire. Imamui. Est-ce qu'il faut que je descende ou... Non, ça n'a pas l'air. Olai.
Je me demande si nous on peut descendre là et sauter en face, mais après je vois pas trop l'intérêt en fait. Non, je pense pas. Viens avec nous. Ok. Non, qu'est-ce qu'il faut faire là? Alors, on peut se baisser dans le jeu. Si, je pense qu'il faut que tu restes là en fait. Ah, attendez, comment je... Ok, comme ça. Oui, c'est ça. Hein. Et là, ce petit tas là, c'est juste de la déco ou... Ouais, ça doit être de la déco. Bah, tu peux venir du coup. Ah non, tu peux pas venir. Ah, il y a une pierre qui nous suit. C'est bizarre. Ok, on va pouvoir attraper ça pour monter. Et là, il y a des planches bizarres à gauche. Et là, il peut nous suivre. Ok, nickel. Donc, une autre façon de faire traverser. Ok. Pour l'instant, ça va. Alors attendez. RT. Ok, je peux cibler quelque chose. Ah, je peux lui indiquer où aller. Qui alors? Et on peut lui faire faire une action. En l'occurrence, il m'a défait la corde. Ok, donc nouvelle petite mécanique, il nous a pas suivi. Ouais. Ah, bah on nous dit de descendre. Et de faire ceci. Et donc là, faut que je fasse ça tout seul. Oh là. Ah, mais lui, il passe par là-haut. Ah ouais, non, mais et ça va. C'est facile pour toi, non? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, ça va, c'est pas trop. Ça doit être limite quand même le saut, hein, mais... Au niveau des rotules, elle prend tarif, hein. Et des genoux. En même temps, les rotules, hein. D'accord, je sais pas à quoi elles servent ces créatures. Aucune idée. Ah! Ça c'était pas prévu. Qu'est-ce que c'est que ça? On reste là. Ok, elles suivent ma petite créature. Et donc ce truc va me servir à passer de l'autre côté. D'accord, donc en fait ce que j'avais fait au départ c'était bon. Ima. Tu restes là pendant que moi je traverse. Vu que là je peux sauter au-dessus, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ah oui, il peut faire comme ça le jump lui. Impeccable. Allez, on continue. Tamaki. Qui allo? Ah,
fait. Alors par contre, quand on lui fait faire une action comme ça, là, en lui disant un emplacement et lui faire faire quelque chose, il se stoppe en fait. Faut penser à le faire revenir avec nous. Et toi là-haut, là, mon curseur, il est là. Je peux pas. Je peux pas te sortir de ta cage, toi, moi. T'es tout mignon. Ah, il doit y avoir un truc. J'ai pas d'option vers le haut. Je vois pas du tout. Non. Ok, bah c'est pas grave. Tu vas rester là. Non, je passe pas. Ah, tu vas aller là. Maxi. Mince, ma tête. Allez, dépêche, je t'attends. Donc là, on peut descendre. Oula. Comment? Il y a un trou là, est-ce qu'il va ressortir par l'autre côté? Ah oui, bah oui. C'était tout simple. Bah, encore fallait-il voir le trou à gauche. Hein. J'avais eu celui-là sous les espèces de petites tentacules là, mais... Parfait. On enchaîne. Électricité là-haut. Donc il y a un câble à casser, mais il faut que j'enlève les planches. Ça, ça va me servir. Ok, pour avancer. Et... Je peux pas monter là-haut. D'accord, donc je casse ça. Mince. Pas ma qui, moui. Qui alors? Je déplace ça. Donc j'imagine que ça va arrêter l'électricité. Mais il faut que je casse le câble et je peux pas le faire passer. Donc... Je pense que je dois d'abord aller arracher les planches. Ah, mince. Là, on peut monter sur le côté. Impeccable. C'est pas dangereux. Non. J'arrache les planches. Je fais ça. J'enlève l'électricité cette fois. Et je l'envoie couper le câble. Ah, on est limité en distance avec le... Ah, attends, déjà viens ici. Ensuite... viens ici. Est-ce qu'il peut sauter? Oui, il peut sauter, oui. Ouais. Et tu coupes ça. Et du coup, moi je peux avancer. Génial. C'est très intuitif, je trouve. Ah, il s'est loupé. Ah, c'est beau.
Ah, il y a plein de petites bestioles comme lui, en fait, hein, enfin, qui ressemblent plus ou moins. Je pense pas qu'on puisse descendre. C'est joli, franchement, c'est vraiment joli. C'est assez simple, hein, comme graphisme, ça, mais ça fait le taf, je trouve. Ah. Ok. Donc on est caché. Donc ça, c'est les fameux robots dont je vous parlais. Donc il y a des herbes un peu plus bas, je pense qu'il faut que j'aille là. Vite, 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 vite. Ok, c'est bon. Il passe pas. C'est bon, c'est bon. Ok, on peut continuer. Tu vas me descendre la corde. Bon, tu regardes pas du bon côté, hein, mais c'est pas grave. Non, 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 non. Voilà, c'est mieux comme ça. Olay. Allez, viens mon petit bonhomme. Je sais pas comment t'appeler en fait. Boule de suie quoi. On va l'appeler boule de suie. Bah c'est, je sais pas si c'est une petite référence au. Enfin non, elles sont beaucoup plus petites et elles sont pas vraiment cette forme, mais aux boules de suie dans les œuvres de Miyazaki, hein, dans plusieurs dessins animés, on les retrouve. Enfin dans plusieurs films. Alors toi par contre, t'es plutôt atal, hein. Par contre, tu t'es écrasé, quoi. Vu le cratère. J'ai l'impression que t'as eu des petits soucis techniques. En tout cas, c'est. La direction artistique, elle est vraiment sympa. Graphiquement, c'est vrai que, bon, on a vu beaucoup plus joli, hein. Mais la direction artistique, elle rattrape tout, en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Vous me direz ça dans les coms. Et puis bah je vous rappelle, ah oui c'est vrai que j'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on est en YouTube première, hein, donc. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? C'est juste du décor. C'est juste du décor. Est-ce qu'on peut. Ah non, il y a une barrière qui nous empêche de. Bah oui. Ok, je peux pas m'en servir pour monter de l'autre côté. Encore des planches à arracher là-haut. Il m'a fait peur le truc là. Je m'y attendais pas quoi. Donc, alors attendez, là, j'arrache ça. Pas maki. Mais il y a un intérêt que je l'envoie là-haut, là. Non. Alors c'est moi qui dois la pousser, la caisse? Donc la caisse va me servir à monter en haut à droite, là où il y a la roue. Par contre, il faut que ça se rebaisse. Donc, il va falloir que tu serves d'appât, mon petit pépère, là. Donc il faut qu'on redescende. Parce que
comme ils sont pas attirés par moi là, les trucs. Donc là, je peux faire passer la caisse. Et ensuite, il faut qu'en l'appelant, je pourrais la faire monter. Je pense. Je pense qu'on est sur le genre de... Le truc comme ça. Ils lui en veulent vraiment à lui. Hein. Bah, il s'est encore loupé au niveau du saut. C'est bon, il est là, oui. J'arrive pas. Voilà. Ok, tu bouges pas de là. Hola, Imui. Là, il n'y a pas grand chose. Un petit papillon. Deux petits papillons. Il faudra voir si c'est pas trop répétitif dans le gameplay. Parce que pour l'instant, bon, c'est surtout de l'entraide avec tu restes là, tu avances, tu reviens. Oh. Alors là, il y a de là, du cache-cache à faire. Alors, on va essayer de voir son pattern. D'accord. Ok, il ressort comme ça dans les fougères, il est protégé. Et après, c'est à moi de passer. Encore des fougères. Oh, il y a un truc à casser là, un filin. Mais comment je passe? Tu vas devoir jouer la part encore. Il faut que je lui fasse casser le filin. Bon, je sais pas trop quoi d'ailleurs, parce que je vois pas la suite. Il est où mon perso là? Il est là. Viens, 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 viens. Ok. Okay. Donc, il faut que je le fasse monter là-haut. Ok, et là, c'est moi qui vais jouer la part. Voyez. Ok, c'est ça. Ouais, c'était un peu limite, hein. Waouh. Allez, viens avec moi. T'as bien travaillé. C'est bien.
brave garçon, qu'est-ce que tu fais? Reviens. Petite cinématique avec un immense robot là-bas. Et avec le même œil. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un œil, mais. Ah! Violet, rouge, jaune, bleu. Ah non. Violet, rouge et bleu. Ok, d'accord, une espèce de truc de code d'alerte. Ça sent la fin de la démo, hein. Par contre, là, les loulous, je vous cache pas. Ça se termine comme ça. Ce serait pas étonnant. C'est le lot des démos. Hein. Et voilà. Ok, d'accord. Bah, écoutez, les loulous, on était sur la découverte de Planet of Lana. Bah, je suis pas déçu par rapport à ce que j'en attendais. J'avais découvert le jeu à une conférence Xbox hein, quand ils avaient annoncé justement que c'était exclusif à leur console. C'était déjà il y a un bon moment de ça. Plutôt agréablement surpris. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je pense que vous aurez échangé dans le chat hein, comme d'habitude. Mais on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.